Le monde, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'avez qu'à sortir du Facebook à Mario pour pas m'écouter. C'est pas plus grave que ça. Mais je vais vous comprendre parce qu'il y a du monde qui. Comme on dit au Québec, il y a du monde qui dort au gaz, puis on essaie d'expliquer des affaires aux personnes. Puis le monde, ils comprennent pas ce qui s'en vient. Fait que moi, si je fais cette vidéo-là, c'est pour que le monde de Montréal partage dans mes anciens groupes. Dans mes amis. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis banni de Facebook. J'ai plus le droit d'avoir de compte Facebook. C'est parce que dire la vérité au Québec, c'est rendu un crime master. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous me connaissez pas, mon nom c'est Pierre Dion. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos là qui expliquent bien des affaires. Puis à soir, je vais faire une vidéo pour expliquer quelques affaires, mais j'ai été allé voir sur mon ordinateur, puis j'avais toutes mes affaires avaient disparu. Fait que c'est pas plus grave que ça. Fait que cherchez pas à comprendre. Je vais vous expliquer ça vite fait, les nouveaux mondes qui sont là. J'ai eu comme je sais pas 13, 14, 15 Facebook, ils m'ont tout enlevé. La justice au Québec est contre moi. Puis là, hier, j'ai reçu une vidéo de Dailymotion qui ont fait une entrevue avec Xavier Camus. Le monde sait c'est qui Xavier Camus, merci Marjo. Le monde sait c'est qui, il y en a qui savent pas c'est qui, mais vous pouvez faire vos recherches. Parce que nous, on fait longtemps qu'on est avancé, le monde qui va m'écouter. Xavier Camus a fait une entrevue hier à Dailymotion. C'est pour ceux qui connaissent Xavier. Xavier Camus, c'est un personnage dangereux, c'est un professeur au cégep d'Antique à Montréal. Il enseigne la philosophie à ce cégep-là à nos élèves. Ce qu'on appelle, c'est un prof de la gauche. Okay? C'est un prof de la gauche, c'est un professeur qui enseigne tout ce que le monde n'est pas d'accord avec lui, ben il faut que ce soit de la merde. Je pense qu'on comme lui. Puis les autres, ben c'est pour. Sont pas la l'immigration illégale qui se passe au chemin Roxanne. C'est pour tout ce qui est pas bon pour le Québec, les autres sont pour ça. Puis les autres que vous voyez sont toujours masqués en noir. Qui se promènent, que quelqu'un essaie de faire des manifestations pour dire que pour la laïcité au Québec, on était d'accord pour ça, que les autres sont pas d'accord. En tout cas, c'est plein de citoyens. Allez faire vos recherches là-dessus. Les Antifa, Xavier Camus, allez voir la face là. C'est un personnage dangereux pour le Québec. Puis c'est un personnage très dangereux pour les étudiants du Collège Antique, qu'on comprend même pas pourquoi que ce personnage-là est là. Qui enseigne encore, puis qu'on a vu deux photos de lui sur les réseaux sociaux d'Atit. J'en venais là-dessus parce qu'il était à faire une entrevue à Dailymotion. Xavier Camus était supposé parler de Valentin Auclair. Ça, c'est une personne qui s'est fait arrêter à Granby la semaine passée pour message haineux, puis message de la personne est un petit peu de. Je crois qu'elle est un petit peu dérangée. Moi, j'ai parlé avec une couple de fois, mais je peux pas vous dire si elle est dérangée ou pas, mais c'est pas une personne qui est dangereuse. Puis Xavier Camus, hier, dans l'émission de Dailymotion qui a enregistré à la radio, il était supposé, c'était le sujet, c'était Valentin Auclair. Mais Xavier Camus, ce personnage-là m'en veut. Il m'en veut parce que je suis un gars qui dit la vérité. Je suis un gars qui condamne la justice, que la justice, c'est pas juste au Québec. Que il y a plein d'affaires au Québec qui se passent, que le monde sont vraiment pas au courant, que le monde dort au gaz. L'expression, là, on est habitué de la dire, nous autres, là, moi, ça fait 2 ans, je milite, il y en a qui ça fait 5 ans, mais les Québécois dorment au gaz avec qu'est-ce qui s'en vient. C'est vraiment pas drôle qu'est-ce qui s'en vient. Je vous dis, là, faites vos recherches, allez voir. Ils veulent faire rentrer 1 million d'immigrants ici au Canada d'ici à 2022, notre Justin Trudeau national. Justin Trudeau, c'est un autre personnage très dangereux pour le Canada. Il est en train de nous détruire. Il dilapide notre argent dans les autres pays, comme l'Iran, comme. Il a donné de l'argent à la fondation de Hillary Clinton, Bill Clinton, une fondation qui est bidon, une fondation qui. En tout cas, il va arriver plein de styles d'affaires en 2020. Mais je vais revenir sur Xavier Camus. Dans la vidéo, il a tombé tout de suite sur Pierre Dion. Puis le journaliste qui a accordé cette entrevue-là, je pense que je vais le poursuivre, parce qu'ils ont fait de la diffamation sur moi. Puis le monde qui savent comment est-ce que Xavier Camus, c'est un personnage très dangereux. Fait que s'il vient parler de moi, que je me suis après me radicaliser, qu'il veut envoyer la police m'arrêter. Quand vous écoutez ce personnage-là parler, allez l'écouter là sur le monde, là, je l'ai envoyé, Marjolaine va le partager. Il t'a pas dit que je suis après me radicaliser, que je suis quasiment un terroriste, puis que je suis dangereux, puis la police comprend pas. Puis ce personnage-là, quand il parle, c'est un personnage... Un vrai manipulateur. Tu sais, un professeur d'école au cégep, il manipule le monde. Allez écouter sa voix, là. Vous allez voir, c'est un personnage très dérangé, Xavier Camus. Puis moi, je faisais cette vidéo-là parce que le monde me connaît. Il y a beaucoup de monde qui me connaît. Moi, comme je vous dis, je t'ai suivi, puis je suis barré de Facebook. Puis c'est pour ça, je vais le répéter parce qu'il y a du nouveau monde qui embarque. Je suis sur le réseau à Mario, mon chum. Mon chum, un ami qui m'a posté son Facebook pour que je puisse faire une vidéo, partager mes affaires. Puis le Québec, on n'est pas en très bonne position en ce moment. Puis le monde, quand on essaye de les réveiller, tu sais, du monde comme moi, puis il y a d'autres sortes de monde. Il y a d'autres personnages qui essayent, ça fait longtemps de réveiller le monde. Puis le monde au Québec, comme l'immigration, tu sais, on dit qu'on a besoin d'immigration au Québec, ouais, on a besoin d'immigration. Mais c'est pas l'immigration qu'on t'apprête à faire. Moi, je peux vous dire, c'est pas l'immigration, c'est une invasion. Quand t'apprête. Excuse-moi, mais. Vincent Melodio, vous êtes toi, Pierre. Pas Valentin Vincent, Valentin Auclair. C'est Valentin Auclair, son nom. C'est une entrevue sur Valentin Auclair, puis il s'est acharné souvent dans son entrevue, puis il a fait de la. Fait que ce personnage-là, c'est aller voir Xavier Camus sur Google. C'est un enseignant qui est très dangereux. Puis moi, je peux. Salut Audrey. Salut, c'est ça, le monde qui sont pas habitués de me voir. Ça me fait drôle, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live parce que j'ai plus le droit.
Puis je voulais parler plein d'affaires à soir, j'avais sur mon ordi, mais ça a comme par hasard disparu. Puis ça a comme par hasard, ça coupe, puis l'internet coupe, puis comme par hasard, c'est ça. Il y a plein de par hasard, moi, quand je suis quelque part. C'est pas Mario, comme je vous ai expliqué, il y a du monde. J'ai emprunté le Facebook à Mario pour pouvoir faire une vidéo. Mais j'ai comme tout perdu mes affaires avant de commencer, puis la batterie est à terre. C'était pour parler de Xavier Camus, puis qu'est-ce qui se passe au Québec pour réveiller le monde, puis pour dire qu'au Québec, le monde va faire vous réveiller. Là. Sérieusement, là, on est prêt à tout perdre. Là. Vous voyez pas tout ça, qu'est-ce qui arrive, vous autres. Là. Nous autres, ça fait des années là, qu'on dit au monde, là, à regarder qu'est-ce qui se passe. Il y en a des réveillés, je sais qu'il y en a des réveillés. Mais la plupart du monde sont endormis par la radio, comme Radio-Canada, la TV, TVA Nouvelle. Moi, je suis une personne qui est visée par la justice en ce moment, Pierre Dion. J'ai été condamné, je suis en cours d'appel, j'ai été condamné à 30 jours de prison. Puis je t'en appelle de ça parce qu'il dit j'avais fait un message haineux sur YouTube, puis la vidéo est encore là. Puis le juge avait demandé de l'ôter cette vidéo-là, mais elle n'a pas été enlevée parce que ça contient pas de haine. Mais j'ai été accusé de haine. Il y a des affaires que je comprends pas dans la justice au Québec. Mais ça, c'est toute une histoire. Fais-le voir mon histoire. J'ai affronté Justin Trudeau. Je suis une personne assez ouverte. Une personne assez qui n'a pas de fille, qui est capable de dire qu'est-ce qu'il pense. Comme la trois quarts des Québécois qui pensent. Mais c'est moi qui dis, puis c'est moi qui mange la merde. Mais c'est pas grave, ça en apprend toujours. Je vous vois tout, hein. Parce qu'il y a bien du monde qui vont penser que c'est Mario, mais. J'ai volé le Facebook à Mario parce que Facebook veut plus que tu fasses de vidéos. C'est parce que Facebook, c'est de la merde. Alors, salut Karine. C'est pas Mario, c'est Pierre. Qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Ben, gars, je vous le dis encore une fois. Fait que demain, gars, je vais couper vidéo parce que je pensais pas que la batterie, j'étais tellement nerveux, j'ai pas checké la batterie. Puis quand j'ai ouvert mon ordinateur, ben là, je pensais que toutes mes affaires étaient sur mon email. Mais Chris, ça a tout disparu par hasard. Mais t'as tout envoyé des notes, mais c'est plus là. Ils doivent passer un boy. Que je suis arrivé où je suis là, j'ai tiré à plein de bugs qui est arrivé, même des toilettes. Au moins, Marjo, je m'entendais bien, ça coupe pas, tout va bien pour demain, je vais me préparer pour demain. Parce que là, ça a vraiment pas bien été. Sérieux, je me suis pas comme. Ben, pas préparé, mais j'avais pas tout chargé. Mais tout rentre bien, vous pouvez me faire signe. Ça va bien, yes sir. Ok, vous pouvez me répondre, hein. Tu sais, les emojis, là, c'est pas un langage, les emojis, hein. Tu sais, y a plein de monde qui partage des affaires, puis le monde, ils vont écrire, au lieu d'écrire, le monde, ils vont dire des pouces, des petits bonhommes fauchés, tout ça. C'est comme si on attendrait dans le langage, dans le vieux temps, là. Tu sais, vous avez un petit clavier en bas, vous écrivez, oui, tout va bien, c'est correct. Demain, là, parce que, je suis comme un peu loin dans le bois, je suis comme reculé dans le bois. Mais c'est normal que ça coupe, c'est Pierre Dion. Un instant. Bon, moi, je vais aller faire chez d'autres amis. Mais c'est pour vous dire, là, en passant, là, c'est que je voulais parler de Xavier Camus. Xavier Camus, allez faire vos recherches sur Google, là. Allez voir la tranche, ce gars-là. Puis là, on va poursuivre pour diffamation à ma personne avec la radio Daily Motion, là. Que même le gars, quand il était supposé faire l'entrevue de Valentin Auclair, ben, Xavier Camus, ben, il m'a encore rentré dedans. Ça, c'est l'enseignant au cégep antique, puis il est payé par le gouvernement. Amène nos taxes, nos impôts, puis il est là, puis détruit le cerveau de... Il est appris à doctoriner les jeunes du cégep à être de la gauche, à détruire les biens du monde, puis si on n'est pas d'accord avec lui, ben, il vient agressif, puis il défend tout. C'est comme des malades mentales. On appelle ça des malades mentales, la gauche, ça, c'est... Il y en a plein de ça. Puis foutre la merde, parce que nous autres, on est des sonneurs d'alerte, on appelle. On dit la vérité. Puis en disant la vérité, ben, les gouvernements aiment pas ça. Hein? Puis on sait tout. C'est Pierre, mon nom, c'est Pierre Dion. Je suis un sonneur d'alerte. Je suis au Québec. Parce que qu'est-ce qui s'en vient au Québec, c'est vraiment pas drôle. Puis je peux vous dire que, oui, Annie, la vérité fait mal. Le monde, ça fait des siècles qu'ils sont dans le mensonge. Annie, la vérité fait mal. Puis le monde, ils sont pas prêts à savoir la vérité. Puis quand tu leur comptes la vérité, ben, ils veulent pas te croire. Puis tu vas lui montrer la vérité qui s'est passée, puis ils croiront pas encore. Parce que, c'est. Ils jouent dans le cerveau du monde avec la TV, avec les ondes de radio, avec les ondes de TV, les ondes de cellulaire, avec la G5 qui s'en vient. Salut Cindy. Ben ouais, Cindy Bouchard. Avec les ondes radio, avec tout ce qui s'en vient, là, c'est. Ils veulent contrôler le peuple. Puis nous autres, on est là pour réveiller le peuple. Pour dire, hey, ça suffit. Puis à un moment donné, le gouvernement, va falloir que ça tombe, le gouvernement. Ça va venir. Puis il va falloir que ça soit le peuple. C'est nous autres qui payent les ministres, c'est nous autres qui payent toute cette gang de pas bons-là. Qui gaspille notre argent comme Justin Trudeau, t'as pas à faire. Justin Trudeau, il n'a plus même là à faire. Ça, je peux vous garantir, il va. Oui, Cindy, ça va bien, merci, oui, merci. Puis il va y avoir plein d'affaires en 2020 qui vont se passer aux États-Unis, au Canada. Cherche, OK? Puis quand moi je dis des affaires, je peux vous dire qu'à 98%, je suis dedans. Il y a peut-être un 2% des fois où ça fait que je fais pas des recherches. Tu sais, des recherches, quand vous faites des recherches sur Internet ou allez voir des affaires, c'est là que vous allez connaître la vérité. C'est pas vous fier sur votre voisin ou les affaires de même, mais personne comme moi, vous pouvez vous fier là-dessus parce que je fais mes recherches. Fait que, sûr. Je sais qu'il y a du monde là-dedans qui va faire la première fois que vous allez voir. Vous allez dire, c'est qui cet état-là, c'est qui ce gars-là. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi. Mais, à force et à mesure, comme vous dites, j'avais déjà eu plein de comptes Facebook, puis le monde,
Ils m'ont suivi, puis ils m'ont embarqué, puis c'est avec du monde comme moi, il y en a plein d'autres, des choses au Québec. Je dis pas que je suis là, que je suis meilleur à 100%, mais je suis pas comme la gauche, je suis comme pour la droite, je suis comme pour les lois soient respectées, je suis comme pour tout soit respecté, mais qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est un pays corrompu. Oui, j'appelle le Québec un pays parce qu'on est un pays, pour le monde qui ne sait pas. Ça fait des années qu'on est un pays, mais qu'on s'est fait fourrer par les gouvernements. Puis en plus que, je vais vous raconter notre affaire, notre charmeux prince Harry, puis Meghan, je m'en calisse-tu de la famille royale, moi? Je m'en tabarnak de la famille royale. Je n'ai rien à foutre. Puis on est resté ici. Ils veulent être financièrement indépendants de vie, mais tabarnak! Ils vont venir nous enlever 1 million dans nos poches, nous autres, les contribuables canadiens, pour les protéger. Si tu veux être indépendant financièrement, ben t'es capable de payer. Nous autres, on n'a rien à foutre de la famille royale. C'est de la merde. S'ils sont partis là-bas, c'est parce qu'il va y avoir un gros scandale qui va être dévoilé au château de Buckingham, en Angleterre, en 2020. Je vous dis, il va y avoir plein d'affaires qui vont arriver en 2020. Vous pouvez continuer à suivre sur Facebook, pas Facebook, sur YouTube, ma chaîne Autopédia. Je fais des petites capsules assez vite faites. Là, je vais être à Val d'Or pour un petit secours. Je vais être à Val d'Or, je me promène. Je vais être pour le procès, pas le procès, mais pour le mouvement de Sandra Gadette à Val d'Or qui s'est fait assassiner dans les années 90, que la justice... On s'en torche, la WOT, oui, t'accorde, on s'en torche, les autres? Moi, je me tape avec la reine, c'est une vieille vache folle, OK? La reine, c'est une vieille pédo satanique. Hein? Quoi va arriver avec l'Iran? Avec l'Iran, qu'est-ce qui va arriver, là? Ils vont mettre, gars, allez faire vos recherches, faites comme moi. L'autre, il a bombardé un terroriste. Un terroriste, ça, c'est bien. Mais avez-vous ça, le monde de la gauche, avec sa louange, un terroriste? Hey, Barack Obama a donné 1,5 milliard à l'Iran pour s'armer, pour... Oui, Harry fait bien sortir son enfant de là, ça c'est vrai. Ça, ben, ils disent d'être indépendant financièrement. Mais on n'a pas d'affaire à payer de sécurité. Déjà qu'on paye la sécurité, peut-être à Trudeau. Moi, je l'appelle Judas Trudeau. Judas Trudeau nous coûte... C'était-tu 30 000 piastres par mois? Je me souviens pas, j'avais... Je m'ai tellement dit des affaires. Je suis dans le bois, je suis loin, je suis perdu. Risque que je suis bien. Fait que, bonjour à tous les nouveaux. Pour aller voir mes vidéos sur YouTube, en attendant, j'ai rien à faire. Il y a des vidéos que je suis calme. Les dernières vidéos, je suis calme. Depuis que je bloque la merde, ces réseaux sociaux, la merde, ce qu'on appelle la gauche, ou autres. Moi, tu sais, j'ai eu comme 15 comptes Facebook, puis j'ai eu comme, j'avais 400 personnes des fois dans mes lives, pour 400 personnes, des vidéos qui sont vues, que je t'ai bien suivi. Mais la justice, ça m'empêche de parler fort. La justice est contre moi, j'ai 4 procès en cours contre la justice, contre 3 contre la SQ, et 1 contre SPVM, qui m'accuse de toutes sortes de styles de conneries. Ça fait que demain soir, venez vous inscrire à 20h07, on va être arrangé. Je suis là. Mieux que ça. Mon nom est Claudia, je vous souhaite bonne soirée. Allez voir mes vidéos sur YouTube. Merci.